téléspectateurs de l'émission Temps de prière agressive avec l'homme de la continuité des actes des apôtres, votre humble serviteur le pasteur Kalala. Que l'Éternel des armées vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons dans le cadre de cette émission chrétienne, l'émission de tous les enfants de Dieu, dénommée Temps de prière agressive. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il soit loué, lui le maître des temps, mais aussi le maître des circonstances. Il mérite d'être adoré, il mérite d'être célébré, le rejeton de David, le rocher des âges, l'agneau immolé des dieux. Nous répondons au plus 1-331-262-49-03. Encore une fois, 331-262-49-03. Ce sont là nos coordonnées téléphoniques, c'est-à-dire les coordonnées par lesquelles vous pouvez rentrer en contact direct avec nous. Vous qui êtes déjà branché et scotché et connecté, je vous prie déjà de bien vouloir partager, d'envoyer le lien à quelqu'un qui vous est cher. Partagez, invitez quelqu'un, dites-lui de bien vouloir nous rejoindre. Que l'Éternel des armées vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Je vous prie de partager sur votre journal, partager dans les groupes auxquels vous êtes abonné, partager sur Facebook. Permettez à quelqu'un d'être branché et scotché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu de la Bible vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Merci à vous qui êtes branchés. Je vous prie de multiplier les partages. Partagez. Invitez un frère, invitez une sœur. Permettez à quelqu'un d'être béni. Permettez à quelqu'un d'être affecté par le message, également par la séance des prières. Et sans plus tarder, nous allons déjà commencer par dire à Dieu merci pour ce moment merveilleux. On va lui dire merci pour ce temps favorable. Voilà qu'hier et avant-hier, on n'a pas eu à être là ensemble. Et par la grâce du Seigneur, voilà que nous sommes là. Nous allons dire à Dieu merci, lui le maître des temps, lui maître des circonstances. Il lui a plu de nous rassembler encore une fois de plus cette nuit pour qu'ensemble nous l'invoquions. Élève ta voix, papa, maman, élève ta voix, bien-aimé frère et sœur en Christ. Tu dis à Dieu merci pour ce moment. Merci de te compter parmi les vivants. Merci de pourvoir en tous tes besoins. Il est merveilleux, le Dieu de la Bible. Prions au nom du Seigneur. Éternel des armées, tu es très haut, le Dieu tout-puissant. Nous voici devant ton trône de gloire. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour l'être, le mouvement et la respiration. Nous t'adorons parce que tu nous aimes. Tu es le Dieu qui pourvoit nos besoins. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu es le Dieu qui nous octroie le souffle de vie, l'être, le mouvement et la respiration. Sois béni Jésus, sois loué tendre Père, sois exalté Shiloh d'Israël. Merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Mon frère et ma sœur, je te prie de purifier ta robe, purifie ton cœur. Le Dieu devant qui nous nous retrouvons est un Dieu saint et le péché n'habite point en lui. On va lui dire de nous purifier, de nous laver par son sang. Et que le sang qui a versé à la croix de Golgotha nous lave. C'est le détergent par excellence pour purifier tout être humain du péché. Il est écrit « Quand bien même nos péchés seraient plus rouges que du cramoisi, l'Éternel Dieu nous rendra plus blanc que la neige. » Pourquoi maintenant nous allons demander la miséricorde du Seigneur en nous agenouillant. On implore la grâce ainsi que la compassion du Seigneur. Éternel des armées, nous fléchissons nos genoux devant toi pour te demander de nous pardonner de tout péché commis en parole, en acte ou en pensée. Que tout ce qu'on aille à commettre comme péché nous soit pardonné. Pardonne ma sœur et mon frère de tout péché. Pardonne-moi mon rédempteur de toute pensée qui ne t'a pas plu. Il est écrit, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et l'Éternel. Seigneur, ne voudrant pas être éloignés de toi, nous rapprochons ainsi dans l'attitude des miséricordes, implorant ta miséricorde et ton pardon. Seigneur, lave nos cœurs, lave nos mains sales, lave nos pensées souillées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, papa, maman, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Alors, vous qui nous avez rejoints en ce net moment, je vous prie de partager. Partager massivement. Partager ce live sur votre journal. Partagez-le dans les groupes Facebook auxquels vous êtes abonné. Mais aussi sur WhatsApp. Vous pouvez également partager le live. Et l'Éternel Dieu vous bénira. Parce que vous serez en ce moment-là en train de gagner les âmes au Seigneur. Tu vas demander la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. L'Esprit de Dieu doit être encore, doit remplir son serviteur que je suis de sa puissance, également m'inspirer. Mais tu vas également demander au Saint-Esprit de disposer ton cœur pour que ça soit une terre fertile. Et que la parole de Dieu prenne place, qu'elle produise des fruits. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'ouvrir l'entendement spirituel pour comprendre la pensée de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit d'être avec toi comme un conseiller, un avocat également. Quelqu'un qui va t'orienter et qui va t'aider dans la prière. Pour que nous ne fassions pas une prière selon la chair, mais que nous prions selon l'Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Demande la miséricorde du Seigneur. Purifie, demande la plénitude, demande la puissance. Que le Saint-Esprit inonde ton âme, ton corps et ton esprit. Prions au nom du Seigneur. Cher Saint-Esprit, Esprit de sainteté, Esprit de vie, nous te prions d'inonder nos âmes, nos cœurs et nos esprits. Nous te prions de nous revêtir de ta puissance. Esprit de l'Éternel, révèle-nous des choses cachées. Oriente-nous, guide-nous. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons contre tout esprit, ne confessant point la Seigneurie de Christ. D'esprit de distraction, de vance, défense, de divagation de pensée, de lourdeur, de légèreté. Seigneur, que ça s'éloigne, mais que ton esprit prenne le contrôle de tout, sauf de rien. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu, acclame l'étoile brillante du matin, acclame le rejeton de David. Et nous voulons commencer avec notre service. Et j'aimerais que vous soyez actifs. Rassurez-moi que vous me suivez 5 sur 5. Donnez-moi Amen, bonjour, salut, shalom. Et soyez également actifs dans les commentaires pour me rassurer qu'ensemble, nous travaillons et nous prions, formant ainsi une armée forte, l'armée de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, vous qui le faites. Que Dieu vous arrose, surtout vous qui partagez. C'est beaucoup plus les partages qui m'intéressent quand vous gagnez les âmes avec moi. Ça m'a fait de la joie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Allez, donc vous me suivez depuis l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, l'Amérique. De partout vous me suivez, recevez nos chaleureuses salutations, mais aussi la bénédiction de votre serviteur, le pasteur Kalala. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, notre sous-thème de cette nuit s'intitule « Dieu veut te rendre ce qui t'a été ravi. » Donc ce matin pour certains, cette nuit pour d'autres, ici en Amérique il est pratiquement 23h44, donc on est la nuit. Dans 16 minutes on sera le matin aussi, ou dans 17 minutes. Et pour l'instant nous sommes encore la nuit ici. Alors vous qui êtes en Europe, en Afrique, je pense qu'il est déjà 6h44 ou bien 7h44, donc vous êtes déjà le matin. Ce sont les mystères de l'Éternel. Donc, il y a de quoi dire à Dieu merci pour ce temps, lui dire merci pour tout ça. Et rapidement, nous allons passer à ce que Dieu veut nous rendre, ce qui nous a été ravi. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. La Bible nous dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 1er. Tout ce qui a été, c'est ce qui est. Et dans Ecclésiaste chapitre 3 ou 5, la Bible nous parle encore des différents temps qui existent dans ce monde. Un temps pour manger, un temps pour ne plus manger, un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour être joyeux, un temps pour pleurer, un temps pour s'embrasser et un temps pour se retirer des embrassements. Donc, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour se faire voler. Il y a également un temps pour récupérer ce qui nous a été volé. Il y a un temps où on te dérobe, on s'est fait dérober. Il y a également un temps pour récupérer ce qui nous a été
dérobés. Et aujourd'hui, nous allons prier par rapport à ce temps-là où Dieu se décide aussi de nous rendre ce qui nous a été ravi. Il y a un temps où Dieu laisse l'ennemi nous ravir des choses. Il y a également un temps où Dieu nous permet de récupérer. Il vient nous rendre ce que nous avions perdu par l'homme fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? 39 jours, c'était le temps où la gloire avait été bannie en Israël. C'était le temps où le voleur ou l'imposteur en la personne de Goliath devait régner sur Israël. Il devait marcher sur le peuple de Dieu, les dénigrant, les traitant de mouches, les traitant de sauterelles. Un temps aussi, bien-aimé Seigneur, où le peuple de Dieu était dans l'opprobre, mais il oubliait qu'il y avait aussi un temps où l'Éternel devait rendre sa gloire à son peuple. Il devait redonner et rebâtir l'image de son peuple. Il devait redonner la valeur à ses enfants ou à ses fils. Voilà pourquoi ce matin, je viens avec assurance et dans la joie pour te dire, mon frère et ma sœur, que le temps où Dieu veut changer la donne dans la vie de quelqu'un est en train d'arriver, il est en train de sonner, ce temps a sonné, voudrais-je dire. Et ma prière est que toute personne qui participe à cette réunion et qui croit fermement qu'il y a un temps où Dieu peut également lui rendre ce qui lui avait été ravi, que cette personne élève sa voix là où elle est et qu'il dise, Seigneur, j'attends ce moment dans ma vie. Est-ce que tu peux le déclarer très haut? Déclare le plus fort trois fois. Dis trois fois, Seigneur, j'attends ce moment dans ma vie. Moi, je le déclare déjà, Seigneur, j'attends ce moment dans ma vie. Encore une fois, commande, Éternel Dieu, j'attends ce moment dans ma vie. La dernière fois, commande, Éternel des armées, j'attends ce moment dans ma vie. C'est le temps des restaurations, c'est le temps des récupérations de ce qu'on a perdu, c'est le temps des réparations de ce qui a été détruit, c'est le temps où Dieu nous restitue ce qui nous avait été dérobé. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Tandis que le Fils de l'homme vient pour nous rendre ce qui nous avait été volé par l'homme fort. Si tu es là, tu me donnes trois fois Amen et que j'avance. Encore une fois, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Et pendant ces temps, j'aimerais que tu multiplies encore des partages. Parce que je sens l'onction de Dieu, je sens la présence du Saint-Esprit et je sais que la vie de quelqu'un sera restaurée à travers cette séance de prière. Pourquoi pas la mienne, bien-aimé? Dieu veut te rendre ce qui t'a été ravi. Gloire au Seigneur Jésus. Dans la Bible, nous avons vu des personnes traverser des moments comparables ou et qui ont vécu ces sous-thèmes dans leur vie. Il y a des fils de Dieu, tout comme des païens. Tout don parfait vient de Dieu. Dans les livres de rois, nous voyons l'histoire des deux femmes qui dormaient ensemble. C'était des amis, c'était des camarades, c'était des personnes qui exerçaient le même métier et qui se sont donc de ce fait retrouvées dans un même palais, soit comme des colocataires. Et la Bible dit, pendant qu'elles dormaient, chacune avec son bébé, quand on parle de bébé, c'est-à-dire on voit les enfants, c'est-à-dire c'est la bénédiction. Parce que les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Il se fera que pendant la nuit, l'une des mamans va dormir sur son bébé et le tuer. Donc, elle a perdu son enfant. Elle a perdu sa bénédiction. Et quand elle regarde à côté, elle voit que sa voisine a encore son bébé entre ses mains. Mais vu que la voisine était dans un état de faiblesse, ça veut dire quoi? La voisine dormait. La Bible dit, cette femme
celle qui avait tué son enfant, bien sûr, est allée, bien aimé Seigneur, en rampant ou en marchant comme un petit un chat. En lingala, c'est bien à la niaoulerie. Cette deuxième femme va récupérer l'enfant d'autrui. Elle va ravir, prendre de force. Pourquoi est-ce qu'on prend de force l'enfant qui est dans le bras de sa mère? C'est parce que celle-ci était à l'état de faiblesse. Elle dormait. Un adage de chez nous dit ceci: Kolala ezaliwa yandam. C'est comme si tu t'exerçais à mourir quand tu dors la nuit. Tu es comparable à un cadavre. Si on peut faire une interprétation littéraire, littérale, on dira, c'est dormir veut tout simplement dire mourir à moitié. C'est comparable à une personne qui meurt. Or, une personne qui meurt ne peut plus réagir. Même si tu l'as giflé comme ça, elle ne va plus réagir parce qu'elle est morte. Et on dit, quand quelqu'un dort, c'est comme s'il s'entraînait à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que la femme va récupérer le bébé de l'autre parce que sa voisine ou sa colocatrice dort. Donc, elle est dans l'état de faiblesse. Jésus-Christ dit ceci. L'homme fort qu'on appelle l'ennemi, quand il rentre dans la maison, il ne peut pas commencer à opérer s'il n'a pas maîtrisé l'homme fort de la maison. Donc, quand l'homme fort de la maison est faible par rapport à l'ennemi, c'est alors que l'ennemi peut le dompter ou le maîtriser. C'est pourquoi dans la vie, je vous ai toujours dit, il faut refuser d'être faible. Refuse cela de toute ta vie. Bats-toi dans la vie pour être toujours fort. Fort dans le spirituel, fort aussi dans le physique. Fort dans les finances, fort dans le confort et le matériel. Ah papa, maman, si dans ta vie passée, tu as été faible, pauvre, instable, malheureux, minable, je te prie de refuser cette attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Surtout pour les enfants de Dieu. Jésus-Christ dit aux disciples, vous êtes une ville située sur une montagne. La montagne est toujours élevée. Regarde dans ta vie. Si tu vois que tu es faible spirituellement, refuse aussi cette position. Et je vous avais donné des signaux pour savoir que tu es faible dans l'esprit. À travers les types des rêves que tu fais, tu peux reconnaître que tu es faible. Et étant faible comme ça, on va commencer à te manipuler. On peut voler tes enfants, on peut te voler de l'argent, on peut te voler ta santé, on peut t'imposer un mode de vie bizarre, on peut nuire et gâcher ta destinée parce que tu as accepté d'être faible spirituellement. Or, le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde de forts. Et quand tu es faible, on va te ravir ce qui est à toi. Tu n'as pas un mot à dire. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que même des pays qui ont beaucoup de richesses, des gisements, hein, qui sont forts ou bien riches en termes de gisements, des sous-sols, des matières premières, etc. La plupart des pays africains, ils ont du pétrole, ils ont du coltan, ils ont du cuivre, etc. Mais ils meurent pauvres parce qu'ils sont faibles. Ils ne sont pas puissants. Alors les hommes forts vont venir et récupérer, ravir. Ils vont utiliser cela selon leur gré, selon leur volonté. Parce que vous êtes faible. Est-ce que quelqu'un peut dire, je refuse de demeurer faible dans la vie? Et ça se passe comme ça même dans le spirituel. Quand tu es faible, le mari de nuit viendra. Mari de nuit, il va venir, il va gâcher la santé de ta femme. Il va gâcher, bien aimé Seigneur, les entrailles. Il va fermer les portes de tes bénédictions. Parce que tu es faible spirituellement, il va te manipuler. C'est ainsi que la femme de nuit peut venir gâcher la sexualité. L'organe génital de l'homme devient soit éteint, soit hors de la zone de couverture à tout moment. Le lit devient glacé, il n'y a plus de match. Pourquoi? Parce que la femme de nuit a manipulé
sa victime qui est faible. Le méchant ou l'ennemi ne peut pas opérer dans une maison s'il n'a pas maîtrisé l'homme fort de la maison. Or, l'homme fort de la maison, entre le corps, l'âme et l'esprit, c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, pendant des années, des mois, j'ai été faible. Voilà pourquoi j'ai reçu les injonctions. Les maris de nuit sont venus, les sorciers sont venus, ils m'ont ravi de choses et j'ai été faible et affaibli à cause de cette position. Ce matin, cette nuit, je viens dire non. Seigneur, je m'aimerais ne plus demeurer pauvre dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux changer de côté? Est-ce que tu ne peux pas changer de côté aujourd'hui? Ah, je ne te vois pas réagir. Merci, que Dieu te bénisse, toi qui me réponds. Est-ce que tu veux rester faible toute ta vie? Moi, votre humble serviteur, je ne le veux pas du tout. Que Dieu te bénisse, toi qui réagis, et surtout toi qui commentes et qui partages. Donne le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que je sers, te bénir et qu'il te bénisse abondamment. Refuse de demeurer comme ça, faible dans ta vie. Gloire au Seigneur. Encore une fois, gloire au Seigneur. Refuse de demeurer faible. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, quand tu es faible, tu reçois les injonctions. Mais l'avantage que j'ai, ou la bonne nouvelle que j'ai à t'apporter, c'est que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour que nous autres qui étions faibles hier, nous ne puissions pas le demeurer. Pour que nous autres qui étions affaiblis hier, qu'on ne reste plus affaiblis. Pour que nous autres qui étions, bien aimés Seigneur, manipulables ou manipulés hier, qu'on ne reste plus manipulés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Excusez-moi. Et qu'il te bénisse abondamment. Que le faible dise, je suis fort. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire dans ce monde. Il est venu pour que le faible dise, je ne suis plus faible, mais je suis fort. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises à Dieu. Il faut que tu dises à l'Éternel des armées, tendre Père, j'aimerais être fort. Demande au Saint-Esprit de nous rendre forts. Or, nous autres, nous sommes forts. Notre esprit devient fort lorsqu'il est rempli et revêtu du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de l'Éternel qui fait de toi et de moi, ses fils, les fils et les filles de Dieu, des hommes forts. C'est l'Esprit de l'Éternel, mes amis. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'ennemi viendra, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en fuite. Je te prie maintenant de dire au Saint-Esprit, rends-moi fort spirituellement. Équipe-moi, réveille-moi de ta puissance. Sois toujours avec moi, que nous formions une seule équipe. De sorte que mon esprit ne soit plus affaibli, mais que tu fasses de moi un homme fort, une femme forte, dans le spirituel, tout comme dans le physique. Et comme ça, quand l'ennemi viendra, c'est toi, le Saint-Esprit, qui va les mettre en débandade. La Bible déclare, comme sous la pression du fleuve, l'Esprit de l'Éternel mettra en fuite l'ennemi, quand il viendra vers nous. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi je te demande déjà d'élever ta voix et de demander au Saint-Esprit de t'équiper. Dis Saint-Esprit, remplis-moi, réveille-moi et sois toujours avec moi. Réveille-moi de ta puissance, oins-moi de ton huile et marchons ensemble tous les jours, toutes les nuits. Même pendant que je dors, j'aimerais que tu sois avec moi, que tu sois de mon côté et que nous formions une équipe. Élève ta voix maintenant, ensemble nous allons prier, demander à l'Esprit de Dieu de nous revêtir de sa puissance. Jésus-Christ pouvait dire aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille parce que je vous enverrai un consolateur qui sera avec vous tous les jours. Et il parlait du Saint-Esprit. Je te prie maintenant de demander au Saint-Esprit de t'accompagner pendant ton moment de sommeil, de sorte qu'on puisse plus te ravir. Je demande d'abord qu'on ravie à la personne qui est faible.
Si on t'a ravi, on t'a ravi ta santé, on t'a ravi tes finances, on t'a ravi tes projets, on t'a ravi tes ouvertures, on t'a ravi des enfants, c'est parce que tu étais faible. Tu vas dire, Saint-Esprit, fais de moi un homme fort, que je ne reste plus faible face aux sorciers, face aux méchants, aux occultistes de ma famille. Change-moi, équipe-moi et dote-moi de ta puissance. Réveille-moi de ta puissance. Sois toujours avec moi pour que nous formions une équipe forte avec toi. Élève ta voix et prions. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tendre Père, nous nous rapprochons de ton trône, te demandant maintenant de bien vouloir nous équiper. Réveille-nous de ta puissance. Dans les noms puissants de Jésus, Esprit de sainteté, Esprit de l'Éternel, réveille ta fille et ton fils de ta puissance. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Transforme notre identité. Fais-nous partie de l'état de faiblesse et rends-nous forts, forts en esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous savons qu'avec toi, nous formons une équipe puissante. Voilà pourquoi nous te désirons. Équipe-moi, équipe ma sœur et mon frère, équipe mes bien-aimés dans les noms puissants de Jésus. Réveille-nous de ta puissance et de ta gloire dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui repousse l'ennemi sous la pression du fleuve. Je te prie de t'élever pendant cette nuit et de commencer par repousser mes ennemis. Seigneur, sous la pression du fleuve, que l'ennemi soit rejeté, que l'ennemi de ma vie soit repoussé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec toi, nous ferons des exploits. C'est toi qui transformes et qui changes mon identité. C'est toi qui affectes ma foi. C'est toi qui me défends devant mes ennemis. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta force. Dans le nom de Jésus, merci de me donner une nouvelle identité d'un fils de Dieu. Merci de faire de moi un soldat puissant dans l'armée de l'Éternel. J'ai vu les frères de David qui avaient peur de Goliath, mais à cause de l'huile qui avait été versé, c'était ton huile à toi, qui a été versée sur David. Il avait un langage différent. Seigneur, que la même huile soit opérationnelle et que mon langage change, que mon attitude change, que ma perception de la vie change, que mon comportement change, que je change de vision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Moi, à ta place, j'acclamais plus fort. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, vous tous qui manifestez votre présence par des acclamations. Que Dieu vous bénisse, vous qui acclamez le Seigneur et vous qui partagez aussi, que ce Dieu-là se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Mais dans le Seigneur, comme Jésus-Christ dans sa vie, dans la mission qu'il est venu accomplir sur cette terre, la mission était de récupérer les brebis perdues, de rendre forts ceux qui étaient faibles. Voilà pourquoi à travers cette émission, il veut également rendre quelqu'un qui avait été victime hier, lui remettre dans ses droits. Mais il ne le fait pas dans la vie de tout le monde, en désordre. Premièrement, il faut savoir que Dieu va opérer et te rendre dans tes droits si tu manifestes les désirs, si tu manifestes le besoin à travers une demande. Souvenez-vous du paralytique à la piscine de Bethesda. Jésus lui pose la question, sachant déjà qu'il était là depuis malade depuis longtemps, mais lui pose la question, veux-tu être guéri? Dieu a besoin de ces feedbacks positifs. Il a besoin de cette interaction entre lui et ses brebis. Nzambaza na poso fumola monoko na yo olobela e makambo. Cette femme qui avait été victime, n'est-ce pas, du vol de bébé, celle à qui on avait ravi l'enfant parce qu'elle dormait, lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle fait d'abord le constat. Elle remarque que l'enfant qui entre sommeil n'est pas le sien, mais qu'elle avait été victime d'escroquerie ou qu'on lui avait ravi sa bénédiction. Elle n'a pas croisé les bras, elle a amorcé des démarches.
Elle a manifesté le désir d'être restaurée. Elle a manifesté le désir d'avoir une récupération, de récupérer ce qui est à elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle tu pries avec moi. J'aimerais que tu manifestes le désir. Que tu t'élèves et que tu commences des démarches. Ah, nous sommes de la race de cette femme qui avait été victime, bien-aimé Seigneur, de vol et d'escroquerie. J'aimerais que tu fasses le constat, un constat amer, que l'enfant que j'ai entre mes mains n'est pas le mien. Le mode de vie que je mène, ce n'est pas celui-là qu'une fille de Dieu doit mener. La santé que j'ai n'est pas celle d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Le mode de vie que je suis en train de mener, les recettes que j'ai et les fonds que j'encaisse aujourd'hui, ce n'est pas ce que un fils de Dieu devait encaisser. Écoutez, bien-aimé, tu vis dans quel pays et tu es dans quelle ville? La Bible dit, les riches, les justes vont manger ou bénéficier des meilleures productions du pays. Mais regardez très bien les villes dans lesquelles nous habitons. On ne mange pas les meilleures productions. Nous, on consomme les miettes. On consomme les miettes. C'est comme à l'obananzambo. Et ça, là, le coup, et ça, solo. J'aimerais que chaque enfant de Dieu se rende compte de cela. Ma meilleure production en payant Ouizawa, bien qu'il n'est pas banane. Jésus-Christ se plaint. Il dit les fils des ténèbres sont plus intelligents et plus sages que les fils des lumières. Bazo tambo la nami tuka kitoko soto tambo la makolo. Bazo tambo le kona ba chevaux biso ba prince soto tambo la makolo ndeko nanga à pied. C'est pourquoi je te demande une chose, de commencer déjà la révolte. Révolte-toi contre l'inconnu ou bien contre qui? La Bible dit, cette femme regarde, mon bébé n'est pas entre mes mains, mais c'est la voleuse qui a mon enfant. Et moi, le propriétaire de l'enfant, je suis même réduit. Yaya, na age na yo, na ifalo za la zarobal. Mais t'as la ma condition ça. Célibataire endurci. Pourquoi? Parce qu'un homme fort n'a pas voulu ton mariage. Abomélio moisi. Abomélio mobali. Une femme de nuit est venue. Elle a sacrifié ton mari. Elle a sacrifié ta femme. Les hommes forts de la famille se sont décidés de vous séparer. Vous êtes séparés, monsieur est de son côté, madame de l'autre. Et les enfants ne bénéficient pas de cette chaleur des deux parents. C'est un handicap pour les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vie aux hommes et non, est-ce que c'est un... Je parle à un homme, à une femme, à un couple qui traverse aussi la stérilité. Vous avez envie d'avoir des enfants. Mais il y a un homme fort, une femme forte qui s'élève. Soit c'est un membre des familles, soit une personne comme ça, tierce, de mauvaise foi, et qui vous bloque les enfants. Vous empêche d'avoir des enfants. Vous en avez besoin, mais vous limite. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la condition d'une personne qui se retrouve avec, en train de mener une vie qui n'est pas la sienne. Tu es comparable à cette femme dans le livre des rois. Dans le livre des juges et des rois. Qui, mes amis, se retrouvait entre ses mains avec un bébé mort, cadavre et bébé. Moi, je suis dit, banga, yamali. Mais moi, je suis dit, banga. Mais elle regarde chez la voisine. Elle voit qu'effectivement, son enfant vivant est entre les mains de quelqu'un d'autre. Ça veut tout simplement dire, il y a eu un moment de sa vie où elle était faible et l'homme fort là où lui a ravi sa bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, là, dans mon commerce, et des échanges comme ça se font même dans des familles.
ne mona butu moko pela na famille masel a beto la baninga. Les autres là au bazar au sel a beto na bango, ils sont faibles spirituellement. Cette nuit, ce matin, nous allons exploiter la stratégie et la technique de la femme victime de vol. Quand tu te ressaisis, tu sens que je suis faible, effectivement. Est-ce que je dois demeurer dans cet état de faiblesse? Non, loin de là. L'idée selon laquelle tu dois te laisser faire. Ah, Nzamba Zalaki Wap et Vande Osoma Moi. Il y a un problème en Zambété. Où était Dieu lorsqu'on était en train de lui ravir l'enfant? C'est Dieu qui t'avait demandé de dormir et de ronfler à 100% et qu'on vienne te voler. Non. Il ne faut pas culpabiliser Dieu dans des choses dont il n'y est pour rien. Toi, tu as ronflé profondément. Le voleur a remarqué Dieu faible, il t'a volé l'enfant. Ce n'est pas la faute de Dieu. Je ne viens pas condamner quelqu'un ce matin. Je viens seulement te demander d'être conscient et de réaliser les réalités que tu traverses. Le problème, ce n'est pas d'accuser Dieu. Dieu t'était où? Non. Cette femme, quand elle se réveille, elle constate que on m'a ravi l'enfant. Alors je dois commencer une démarche. Né moi soy à Télémi, à Bandikogoniko revendiqué à moi. Bien-aimé, tu ne dois pas te taire. Je ne me tairai point et je revendiquerai mes droits. La Bible nous recommande de nous lever, d'ouvrir nos voix et de défendre notre cause. Plaide pour ta cause devant Dieu. Je me souviens de Jacob. Il a également fait le même constat. Il a remarqué que la vie qu'il menait n'était pas une vie normale. Ndekonanga, Bama Kambo et comme la Kaba Payente, même le fils de Dieu, loin de l'éternel prophète, apôtre, bishop, ou qu'on s'est retrouvé à un moment de ta vie, on t'a volé ce qui est à toi. Job était un homme intègre, mais on lui a volé les richesses. On lui a piqué 10 enfants en une journée. Et yaya, autant la Bible n'est pas. Dans la Bible bien, vous comprendrez. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps de prise de conscience. Ne pense pas qu'on ne vole qu'à ceux qui sont païens. Non, même un fils de Dieu, on peut te voler la bénédiction. Ah, là, la moukana pongi. Quand elle a constaté le vol, elle a commencé directement à réagir. Vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Moi, Soyo, à comprendre que je perdrai. Mais je ne dois pas continuer à encaisser. Ah, yaya la mouka. Bon, yako continue à ma perte. Tu as perdu le travail. Tu as perdu les finances, tu as perdu ta santé, tu as perdu le mariage, tu as perdu des enfants, tu as perdu de l'âge, tu as perdu tout des grossesses, tu as perdu les opportunités, tu as perdu des relations, tu as perdu tout, tu as tout perdu. Bien-aimé, jusqu'à quand continueras-tu à encaisser? Bien-aimé, adopte la stratégie de cette femme. Ah, moi, je suis à l'obigine, j'étais faible pendant que je dormais. Maintenant, là, comme je suis à l'état de veille, bien-aimé, elle est allée revendiquer. J'aimerais que chaque personne qui se retrouve aujourd'hui être dupée par quelqu'un, volée, on lui a ravi quelque chose qui lui est cher. J'aimerais que tu affiches la même attitude. Telemana bitumba. Kende kolandela ya yo musala. Banda kolandela ya yo santé. Landela libala na yo. Récupérer mon amabo comme toi, Boto Lakio. Il y a de ceux-là qui ont dormi la nuit et ils ont rêvé quelqu'un qui est venu lui ravir des choses. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Que tu t'élèves pour récupérer ce qu'on t'a volé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mouka. Sois attitude à mon tabotolak. J'étais faible hier dans le péché. J'étais faible hier, je n'avais pas la vie de prière. J'étais faible hier, j'étais dans la boisson. J'étais faible hier, je dormais comme quelqu'un de mort. Mais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en train de me rendre, de m'éveiller. Je ne suis plus en train de dormir. Maintenant, je vois clair. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent me ravir, qui vont ravir ma santé. Ils m'ont ravi mes finances, ils m'ont ravi le mariage, ils m'ont ravi les enfants, ils m'ont ravi le travail, ils m'ont ravi ma stabilité, ils m'ont tout ravi, la renommée, la réputation. Ils m'ont volé ma joie. Bien aimé, je ne dois pas la laisser partir. Donnez-moi un amen que j'avance. Et pendant que j'avance, j'aimerais que tu multiplies des partages, mon frère. Partagez, partagez, permettez à quelqu'un d'autre de brancher ce côté. Partagez sur WhatsApp, vous êtes sur YouTube, partagez sur WhatsApp. Cliquez sur les liens, partagez sur WhatsApp. Envoyez les liens à vos frères, multipliez les partages. Multipliez les partages, multipliez les partages. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse richement. Ezanatan oyo esclave à la moukaka. L'esclave ne restera pas esclave. Le faible ne restera pas faible. Celle qui dort ne dormira pas pour toujours. Il y a un temps où celle qui dormait ne cesse de ronfler et elle se réveille de son sommeil. Et je pense que c'est le temps pour quelqu'un ce matin. Ah, que quelqu'un me dise, papa, nalamouki. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, réveille-toi maintenant. Lamoukanapouki. Et quand elle s'est réveillée, ah, bien-aimée, et baba na ben poli wana bazalaka aibiko obeta noyé mais atio lumbe donc na yo mo mutu ma kasi ma kuma kota djuma, c'est à dire que tu la tapes ou tu le tapes mais elle est là toujours. Tu vas me tuer aujourd'hui, tu vas me tuer, et sur ton abo mais na même angamu na la police tonde, elle est là derrière, il ne veut pas te lâcher, t'es tu. C'est comme ça que cette femme s'est levée. Surtout qu'elle avait raison. Yaya, nous ne combattons pas pour la victoire. Mais nous autres, nous combattons dans la victoire. Est-ce que tu peux réaliser maintenant ce qu'on t'a ravi? Un bien-aimé me dira, il suivait depuis la Suisse. C'est un papa qui m'appelait depuis la Suisse. Plusieurs fois, je lui ai donné ce témoignage. Pendant une nuit, pendant qu'il dormait, il voit son oncle venir dans le rêve. Il lui tend la main, il lui dit, donne-moi ton porte-monnaie. Le porte-monnaie était quelque part vers l'armoire. Le bien-aimé tergiversé. Tu dis quoi? Pourquoi faire? J'ai dit, donne-moi le porte-monnaie. L'oncle va hausser la voix dans le rêve. Ça dit que les choses se passent dans le monde des esprits. Pendant qu'il fait ce rêve, le bien-aimé avait trois jobs. Il me dit, pasteur, c'est tout ça, bana Suisse, il y a tombo. Ça dit que nous sommes parmi les pionniers des Africains qui ont fait la Suisse. Donc moi, j'étais là-bas, parmi les premiers à venir ici en Suisse. Donc, dans des années vraiment beaucoup plus reculées. Et j'ai eu la chance de fréquenter ici. J'ai également des boulots ici. Je suis... C'est qu'elle a un poste élevé dans une compagnie de marketing à côté d'ici là. Je suis ici dans telle compagnie encore. Et ici, j'ai mes petits business. Et puis, j'ai acheté ici au pays, en Europe. Et j'ai aussi acheté des parcelles en Afrique. Là, c'est pendant qu'il fait les rêves. Et en cette nuit, son oncle est venu lui demander de lui donner les porte-monnaies. Pendant qu'il est en train de discuter, l'oncle va hausser la voix. Dans le rêve, directement, ça dit qu'il manifeste l'autorité. Et il exerce maintenant son pouvoir mystique. Je parle à quiconque fait des rêves où on te poursuit. Tu fais des rêves où on te gifle la nuit.
Tu fais des rêves où on te ravit ta voiture, on te ravit tes diplômes, on te ravit ton mari. Quelqu'un t'impose, il vient, il s'impose, il te chasse, il prend la femme, il te chasse, il prend tes enfants. On te ravit tes étoiles, on te ravit des galons, des vêtements. Bien aimé, ne minimise pas ses rêves. Comprends que c'est des opérations qui se font. C'est l'homme fort qui est en train de venir te ravir ce qui est à toi. Et tu dois refuser en te réveillant et tu refuses cela. C'est comme un bien-aimé qui rêve des personnes décédées qui viennent lui tendre la main. Bien-aimé, un grand frère qui veut te tendre la main, t'a envoyé vers les braquas et les braqueurs. Grand frère Andoki, il faut t'éliminer dans ma prière, Mbalamoko. Kate loboko wana, o kaka samoku na kabuka ni loboko. Na ma prière au sali. Refuse de demeurer faible quand te manipule la nuit, qu'on te vole des choses la nuit, qu'on te vole ton étoile la nuit, et tu laisses passer les choses comme ça, tu risques de pleurer. Un bien-aimé devenu impuissant et faible, avec des problèmes de faiblesse sexuelle, il est arrivé la nuit, l'une de ses soeurs qui est venue lui ravir son organe génital mâle. On lui a récupéré le pénis, permettez-moi les termes. Allez, il l'a amené quelque part dans le noir, à la bouée, Noto. C'était un rêve. Depuis ces jours-là, le monsieur a eu des problèmes d'érection. Malade, dipende bandiego. Là, vous irez à l'hôpital comme ça, on vous dit que oh, ça c'est un problème de quoi? L'infection. Et tu as un problème de ceci. Or que c'est le résultat de ce qu'il a fait comme rêve là. On lui a ravi ce qui est à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Première procédure, c'est de te révolter. Après avoir constaté le vol, tu dois te révolter. Quelqu'un me dit, papa, donnez-nous seulement l'exemple maintenant d'un frère, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est avec Dieu et on lui a ravi. Bien aimé, vous connaissez un certain Samson dans la Bible, dans les livres des juges, le roi Samson. Le juge Samson. Samson est un homme fort, libérateur, fils de Dieu, loin et équipé. À un moment de sa vie, il a manifesté la faiblesse en livrant son secret entre les mains d'une femme philistine, Jézabel, plutôt Delila. La Bible dit, il a été manipulé, dompté, on lui a traité comme un esclave en lui crevant les yeux. Donc il a perdu sa vue. Ses deux yeux ont été crevés par les ennemis. C'est-à-dire, pendant cette période-là, Samson était aussi faible. Dites amen que j'avance. Oh, tu ne me donnes pas un amen bien, donne-moi un amen plus fort que ça, que je continue. Que Dieu te bénisse, toi qui me donnes un amen plus fort. Que Dieu t'arrose, toi qui me donnes un amen plus fort que ça. Que Dieu te bénisse richement. Au nom de Jésus-Christ, Samson a comme esclave. Namaboko ben ennemi. Il devient un jouet, lui qui était mon fort. Donc, comme pour vous dire, ça peut arriver que tu sois fils de Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, mais que tu te retrouves aussi dans de telles conditions. Alléluia. En dehors de Samson, il y a Abraham. Je vous dis que deux fois, Abraham s'est retrouvé dans une position de faiblesse en Égypte. Premièrement, le roi Pharaon a récupéré sa femme. On lui a ravi la femme. Abraham, notre père dans la foi. Deuxièmement, c'était le général Abimelech qui lui a récupéré sa femme. Vu que sa femme était belle de figure. On lui a ravi. Alors là, la peine, il m'a rendu célibataire. Mais sa femme là-bas, dans les lits, sur les lits conjugales avec Pharaon. Ne pense pas que Dieu soit d'accord avec le fait que on puisse te ravir ta bénédiction.
Ne pense pas que Dieu soit dans la joie de voir que ce qui est à toi se retrouve dans les mains des païens, dans les mains des sorciers, dans les mains des occultistes. Ils exploitent ton étoile. Dieu n'est pas d'accord. Mais le problème est que tu dois t'élever, t'impliquer dans le processus de récupération. Première attitude, la femme se révoltait et dit non, je ne laisse pas faire les choses comme ça. Les choses ne doivent pas se passer comme ça. Je ne te laisse pas élever mon enfant. Que quelqu'un lève sa voix pour dire, je suis à l'état de veille. Je ne dors plus. Je me suis réveillé de mon sommeil. Vous aviez ravi quand j'étais encore distrait. J'étais dans la boisson, j'étais dans les ambiances, j'étais distrait. Mais maintenant que l'Esprit de Dieu m'a interpellé, maintenant que l'Esprit de Dieu m'a réveillé, je suis en train de vivre le réveil spirituel. Vous n'allez plus continuer à me voler ce qui est à moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi comme David. Commence à déclarer, je ne laisserai point, je ne reculerai point, je poursuivrai mes ennemis jusqu'à ce que je les ai atteints et que je les ai anéantis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix maintenant, commence à déclarer, je vous poursuis, voleur de bébés, voleur de mari, voleur de travail, voleur de santé, voleur d'étoiles, voleur de succès, je vous poursuis. Tu l'appelles par son nom. Oluta yanani. Yanani yamadova. Landele na kombonaye. Noko matondo. Landele na kombonaye. Tu as rêvé qui? On l'appelle comment? Le vieux ngoma. Poursuis-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à claquer le main. Tu déclares, je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Toi qui m'as ravi, ma bénédiction. Toi voleuse de bébés. Toi voleuse d'enfants. Au nom puissant de Jésus, je me lève maintenant dans la prière. Toi qui m'as ravi ma paix, dans le nom de Jésus, je te poursuis. Toi qui veux exploiter mon étoile, dans le nom de Jésus-Christ, je te poursuis. Je ne te laisserai point faire. Tu ne vas pas dompter mon enfant. Tu ne vas pas dompter mon travail. Tu ne vas pas manipuler ma santé. Tu ne vas pas me voler mon fiancé. Tu ne vas pas me voler mon travail. Tu ne vas pas me voler mon poste ministériel. Tu ne vas pas me voler mes avantages. Tu ne me voleras pas ma santé. Ni mes enfants, ni mon mari, ni ma femme. Vous n'allez plus les manipuler. Dans le nom de Jésus-Christ, pendant deux mois, des jours, vous avez tenté d'exploiter mon étoile. Maintenant, je me suis réveillé comme cette femme dans les livres des juges. Je me lève maintenant comme dans les livres des juges et je vous poursuis. Je te poursuis. Je te poursuis. Toi, voleuse de bébés, tu ne resteras pas tranquille. Tu ne seras pas à l'aise. Au nom puissant de Jésus, ce matin, moi, Patrick, je te poursuis. Toi, voleuse d'étoiles, que tu sois dans ma famille, que tu sois dans ma belle famille. Toi, voleur d'étoiles, que tu sois dans ma belle famille ou dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans mon environnement, dans l'église où je prie, dans ma ville d'habitude où j'habite, dans le nom précieux de Jésus, ne soyez plus tranquille. Je vous poursuis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, poursuis-les encore pendant deux minutes. Poursuis-les. Tu te sens faible, mais laisse-moi te dire, ma kele lozo tchabango, ane zo tchabango lumbe lumbe, mote zo pele la bango, car ane zo landabon va zala mal à l'aise, qu'ils ne soient pas tranquilles, ni dans leur sommeil, ni pendant leur journée, dans leur démarche, troublés à la partage d'abango. Le voleur d'étoiles, le voleur de destinées, tous ceux qui veulent amputer ta destinée, que le Dieu Tout-Puissant les rende mal à l'aise. Bandako troublé bango, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Rokanda ya baba 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 baba. Rakanda ya kora baba. Ne soyez plus à l'aise, vous qui voulez exploiter ma bénédiction depuis le monde des ténèbres. Que vous soyez troublés, que vous soyez troublés, que vous soyez troublés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Monte à Copel. Monte à Copel. Ma soeur et mon frère, partage.
partage encore et envoie le lien à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, soko monindo ki belelaye, qu'il sache que tu l'as déjà identifié. Ne le laisse plus à l'aise. Tchaï trouble azanga kimia. Écoutez l'avantage que nous avons en tant que fils de Dieu. La Bible dit ceci. Et c'est lui qui vous trouble. Galates chapitre 5, verset 10. Et c'est lui qui vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. Dans les livres de Josué, Josué dit ceci à Akan. Dieu a dit, c'est lui qui trouble Israël, l'Éternel Dieu le troublera. Et il rappelle cela à Akan, il dit, comme tu as troublé Israël, Dieu te troublera aussi. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du Dieu très haut. Tu es l'Israël spirituel. Et tu dois également confesser cela. Que celui qui te trouble, que le Dieu Tout-Puissant puisse les troubler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi un Amen très bien. Quand je dis donne-moi un Amen, ça veut dire que tu m'écris Amen. Écris-moi une fois de plus Amen. Toi qui crois que tu es un fils de Dieu, écris-moi Amen deux fois ou trois fois. Et que le Dieu Tout-Puissant accomplisse ce que tu es en train d'écrire. Je déclare et je répète, tu ne m'as pas bien saisi. Écris-moi trois fois Amen. Et que le Dieu que je prêche accomplisse cette parole dans ta vie. Il est le Dieu qui déclare et le Dieu qui signe. Et Jésus-Christ pouvait dire, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit pendant que tu confesses trois fois. Amen, Amen, Amen. Que le Dieu que nous prions et le Dieu que je prêche s'élève et qui commence à poursuivre, qui commence à troubler tous ceux qui sont rentrés dans ton champ de blé pour te voler ta vigne, pour te voler ton blé, pour te voler ta bénédiction. Qu'il soit troublé parce qu'il te trouble. Et celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il emportera sa peine. Quel qu'il soit. Ezala tata mwasi. Que ce soit l'oncle, que ce soit ton grand frère, que ce soit ta femme, ton mari, tes enfants, ton père ou ta mère. Peu importe la personne qui te trouble. La Bible parle sans exception. Quel qu'il soit, il emportera la peine. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque le fils de Dieu à la personne d'Abraham se retrouva en Égypte et on lui a ravi sa femme, c'est-à-dire son âme était troublée. Nanya troublé l'enga Abraham. Là maintenant, c'est Dieu du haut de son trône qui regarde attentivement les détails et les conditions dans lesquelles ses enfants vivent sur la terre. Yaya, papa, maman, écoutez-moi, je vous dis une chose. Dieu voit tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu, il regarde tous les combats que tu es en train d'endurer. Dieu le sait. Que Dieu bénisse encore le pasteur Atons pendant des années. Cache-toi. Cache-toi. Aïe pignon son avinayo mananzambe. Dieu savait le jour et la minute, l'heure à laquelle cette femme voleuse de bébé est rentrée dans la chambre de sa voisine pour récupérer l'enfant. Pendant que toi tu dors, il y a un Dieu qui ne dort pas. David l'a dit dans les psaumes 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, mais mon secours me viendra d'où? C'est pas des montagnes, mais mon secours me viendra de l'Éternel, qui ne sommeille ni ne dort. Je t'informe que Dieu est au contrôle de tout. Tous ceux qui viennent troubler ta vie, Dieu les voit, il les connaît. Mais il a besoin de ta prière pour qu'il se lève pour appliquer la sanction. Oh, j'annonce à quelqu'un, un homme sera sanctionné.
parce qu'il est venu troubler ton champ de blé. Que toute personne qui rentre sans autorisation dans ton champ de blé pour s'aimer livré et récupérer, voler le blé, qu'il croise la résistance de Dieu. Nzambamo on aura tout. C'est ainsi qu'on a ravi la femme d'Abraham. Abraham marié, appelé à être avec sa femme la nuit. Pendant l'hiver, comme ça, il fallait que la femme puisse la réchauffer, le réchauffer. Il fallait qu'il puisse être là avec un lit chaud. Mais Abraham est seul avec un lit glacé. Azomi benda dra koto, abenda koto mutoazate, koto mutoazate. Atalabwe Sarah nanga kewap. Sarah est en train de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Un incirconcis. Parce que tout simplement, il est l'homme fort de la ville. Parce que tout simplement, il est l'homme fort du royaume. Mais un païen incirconcis en la personne de Pharaon. Hey, yaya! Nema kamouzo koume la batulelo. Nema kamouzo koume la batulelo. L'âge de quelqu'un est en train d'avancer. Mais il y a un mari de nuit qui s'est levé. Il lui prive le mariage. Aïe la komi kolo nyonso boutou nyonso toutes les nuits. Il vient s'accoupler avec toi. Pendant la journée, tu n'as personne pour t'accoupler. Et tu n'as pas de... Tu es chrétienne, nous semble la Bible. Tu ne peux pas aller également avec des hommes comme ça. Tu te respectes beaucoup. Et tu crains Dieu. Sœur Intel, sœur chrétienne, elle est chaste. Sœur Akanga Sizo, oui. Na moyo kangi Sizo. Mais na boutou, il y a Pharaon qui vient. Qui te récupère, Sarah. En t'imposant des actes sexuels involontaires, mais tu te retrouves en train de te mouiller le matin. Ah, je vous dis des choses vraies, mes amis. Permettez-moi les termes. Tous les vêtements sales. Pourquoi? Parce qu'une femme de nuit, un mari de nuit, a abusé de toi et t'a violé spirituellement. Plusieurs fois, je vous ai donné le témoignage de cette maman pour qui j'ai prié à Pointe Noire, une jeune maman, une jeune sœur. Elle va rêver 5 ou 7 maris de nuit ou 6 qui vont coucher avec elle. C'est-à-dire qu'on l'a violée pendant le rêve. Celui-ci vient et couche avec elle la nuit dans le sommeil. L'autre encore, l'autre. Elle, si quelqu'un passe par là, il dit, papa, si quelqu'un peut penser que je suis à travailler avec un homme, et pourtant je dormais seul. Et les mouvements, et les gestes, et les cris, tout, c'est comme si c'était avec des hommes. Et puis il y a 6 hommes. Donc 6 démons. Parce que ce sont des démons, des esprits humains. Et quand elle s'est réveillée le matin, elle regarde son sous-vêtement comme ça, mouillé avec les liquides des hommes, les spermatozoïdes. Elle va prendre son bain et se lave, et se lave, et se lave. Et les infections ont commencé. Bien, mais je ne vous raconte pas des histoires. Ça a commencé à chatouiller. Elle va prendre des médicaments, ça ne marche pas. Elle va au dispensaire là-bas, ça ne marche pas. Elle va maintenant à l'hôpital, on lui donne des infections, des antibiotiques plus forts et plus puissantes. Ça ne marche toujours pas. On lui injecte des piqûres, ça ne marche pas. Je vous dis qu'elle vous gratte. Elle vous gratte les organes génitaux, mais bien aimé, vous n'avez pas l'idée. Et c'est pitoyable. Le monde des ténèbres méchants. Jusqu'à ce qu'elle nous ait suivis à la télé. Pendant qu'on prêchait sur le mari et femme de nuit, elle est venue à l'église. On l'a fait passer par la délivrance. C'est alors que ces infections se sont arrêtées. Mes amis, il y a des personnes qui souffrent de maladies d'ordre spirituel. Elles ne peuvent que s'arrêter par des moyens spirituels. C'est lui qui vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. Ah, donnez-moi quelques partages, mes amis. Partagez. Cette femme est comparable à Abraham. Abraham a zakolala comme un célibataire. Mais cependant, sa femme est entre les mains de quelqu'un d'autre parce qu'il est fort. Cette femme a subi cela. Pourquoi? Parce qu'elle était faible d'esprit. Et les esprits plus forts qu'elle ont abusé d'elle la nuit. Ils ont gâché maintenant son corps.
ni d'aider les services de prière qu'on lui avait fait. Elle allait rester comme ça. Je ne sais pas si il y a une maman qui me suit. Toi qui m'as appelé parce que tu avais un problème de maladie. Je t'ai promis de prier pour toi. Je n'ai pas eu le temps de le faire les deux derniers jours. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'aurai le temps de le faire. Vous m'avez appelé, vous êtes aux Pays-Bas, en Hollande. Je vais prier pour vous, maman. Ne vous en faites pas. Je sais que Dieu se manifestera puissant. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, écoutez. Pharaon est en train de détruire le foyer. Consciemment ou inconsciemment, il y a un foyer qui est brisé. Et c'est le foyer de qui? C'est le foyer d'une fille, d'un fils de Dieu en la personne d'Abraham. Que vous le vouliez ou pas, d'une manière ou d'une autre, peu importe les conditions dans lesquelles les choses se sont passées, il y a quand même une femme qui est confisquée. Une femme qui a été ravie. On a confisqué la femme de qui? La femme d'Abraham, un fils de Dieu. Pendant que je parle, il y a des personnes qui ont des étoiles, mais lesquelles étoiles ne sont plus gérées par elles-mêmes. Mais il y a des hommes forts de famille qui exploitent leurs étoiles. Pendant que tu crèves de faim, il y a d'autres, mes seigneurs, qui exploitent tes richesses. De ceux-là qui s'enrichissent parce qu'ils t'ont volé ta bénédiction la nuit. C'est comme ce frère de la Suisse dont j'étais en train de donner les témoignages. Depuis cette nuit-là, pendant qu'il voulait discuter, le grand frère va lui récupérer, donne une gifle. Mata pendabwe. Paf. Asitu kina pongi. Avec pena douleur. Atalabu mupazate. Il continue à dormir. Allez, on lui récupère. On va lui ravir le porte-monnaie. Pas boutelier porte-monnaie. Et quand l'oncle a récupéré les porte-monnaies, il est parti. Poum, le frère se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Bien aimé, depuis ce jour-là, l'histoire sur le plan financier et matériel du frère a commencé des séries de problèmes. Le frère est rentré dans l'histoire la plus sombre sur le plan financier, sur le plan matériel. Il y a des situations et des problèmes sur problèmes. Il va comme ça, c'est des erreurs. Et comment toi tu as fait un rapport comme ça? Tu as commis une erreur, la compagnie est entrée en faillite. Et regarde maintenant là-bas, on doit. Parce que tu avais mal fait des calculs. On l'a limogé, premier travail. Et deuxième travail, problème. Allez, il a vendu la parcelle au pays. Il a vendu la deuxième au pays. Allez, il a vendu celle qui était en Europe. Il dit, papa, maintenant je suis locataire. Locataire, papa. Bah, j'ai nous baissé kasika au gazo tonga 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 la comme une piaka. Depuis les jours où je fais ce rêve-là. J'ai tout perdu. Je suis venu avec la bonne nouvelle pour te dire que ta prière d'aujourd'hui peut faire que Dieu puisse te rendre ce qui t'a été ravi. Ah, oncle Ngoma, tu ne vas plus me ravir ce que Dieu m'a donné. Ah, tante Sidonie, ce que Dieu m'a remis, tu ne dois plus continuer à l'exploiter. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour prier? Et je parie qu'Abraham avait fait cette prière aussi dans sa chambre. Il pouvait se dire, Seigneur, comment moi qui suis marié, je dois continuer à vivre comme un célibataire, bien que ce ne soit pas ma terre, bien que je sois à l'étranger, mais c'est la terre que toi tu as créée. Les cieux et la terre t'appartiennent. Je te prie de t'élever et de faire quelque chose. C'est la prière que tu vas faire maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu demandes la justice de Dieu. Et que tu demandes la justice de Dieu. Tu vas faire la prière pour dire, Éternel, ne laisse pas en paix le voleur de destinée, le voleur de Sarah, celui qui a volé ma Sarah, soit troublé cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a volé Sarah soit troublé cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a troublé Sarah? Sarah n'a eu à maboko nani. Tu vis comme un célibataire alors que ta femme est entre les mains d'un homme fort.
Comment tu peux continuer stérile alors que tes enfants sont entre les mains d'une femme forte dans la famille ou dans la belle famille? J'aimerais qu'on fasse cette prière pour dire à Dieu, trouble toute personne qui a entre ses mains la femme, ma femme à moi, ce qui me revient. Toute personne qui a entre ses mains Sarah doit être troublée. Si c'est à Pharaon, peu importe son rang social, même si c'est le plus grand sorcier du village, même si elle est habituée à consacrer, à sacrifier, à bouffer, que Dieu le trouble dans sa santé, dans son sommeil, dans tout ce qu'elle fait, que le trouble soit son partage. Parce qu'il est en train de manipuler Sarah. Sarah appartient à Abraham et non à Pharaon. Dis, Seigneur, trouble celui qui me trouble. Trouble celui qui vole mon étoile. Trouble celui qui exploite ma chance. Trouble celui qui exploite mon travail. Trouble celui qui veut exploiter mon étoile, ma destinée. Élève ta voix, commence à demander les troubles. Que Dieu commence à troubler. Que Dieu s'élève et qu'il trouble. Nous sommes dans le processus de récupération de ce qui nous a été ravi. C'est de cette façon que les enfants de Dieu sont restaurés et rétablis dans leurs droits. Je te prie de te manifester. La Bible dit, le Seigneur, les anges descendent, montaient de l'échelle et ils descendaient. D'abord, ce sont tes prières qui montent et qui feront que Dieu puisse agir en envoyant des anges. Élève ta voix, commence à déclarer dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous voici maintenant. Nous sommes en train de te prier, de regarder le pharaon de famille, le pharaon dans nos lieux d'habitation, dans des villes où nous habitons. Tout pharaon qui est en train de récupérer mon étoile. Et Yahweh, je te prie maintenant de te lever et de récupérer le dossier d'un enfant de Dieu qui de tout cœur est en train de t'invoquer, demandant ainsi ta justice, demandant ainsi ton jugement. Et Père, entends la prière d'un bien-aimé qui est en train de monter vers toi. Seigneur Dieu, regarde l'injustice et le mauvais traitement de Pharaon. Regarde Sarah qui est entre les mains de quelqu'un d'autre. Seigneur, nos activités gérées, manipulées par les occultistes et les méchants de famille. Ils sont en train d'vouloir voler nos étoiles, d'exploiter nos entrailles, d'exploiter nos fœtus, nos bébés. Oh Père, nos mariés, nos femmes, nos enfants, nos activités, nos projets. Et Yahweh, nous te prions de t'élever. Occupe-toi des pharaons de ma famille. Que tout pharaon familial qui serait en train d'exploiter déjà depuis des mois, des jours, des années, les étoiles des enfants, les étoiles des finances, les étoiles de santé, les étoiles de mariage, les activités, le ministère, les projets, les vies, les destinées de tes fils. Père, que tout ce qui trouble Israël soit troublé, papa. Ne les laisse pas en paix. Ma soeur, prie, mon frère, prie. Demande à Dieu de s'élever comme le juste juge. Dieu Tout-Puissant, nous te prions de t'élever. Nous te prions de t'élever. Nous te prions de t'élever. Nous te prions de t'élever comme le juste juge. Comme le juste juge. Mais ne sois pas en train de dormir. C'est pas le temps de sommeil. C'est le temps de demander à Dieu. Sors de ce sommeil. C'est le temps de demander à Dieu de s'élever dans ta vie. De s'élever dans ta vie. Tendre Père, nous te prions de t'élever maintenant et de troubler tous ceux qui troublent Abraham. Que tout pharaon qui a Sarah entre ses mains, en train de voler, Seigneur, la femme d'autrui, le mari d'autrui, les enfants d'autrui, les étoiles d'autrui. Père, lève-toi pour défendre la cause d'Abraham. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que le Seigneur te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Dites gloire au Seigneur. Je ne t'entends pas dire encore gloire au Seigneur. J'aimerais te voir réagir en me disant gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner quelques partages encore? Donne-moi encore quelques partages. Donne-moi encore quelques partages. Pendant que tu me donnes des partages, que le Dieu que je sers te localise.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse, vous tous qui partagez, recevez la bénédiction, mais aussi la grâce du Seigneur. Rokandaya baba sakarakora, shokandara koroborose. Merci Père de bénir. Merci de bénir tous ceux qui partagent maintenant. Alléluia. Merci de bénir tous ceux qui partagent maintenant. Que Dieu vous localise. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut partager encore? Partage sur ton journal. Permets à quelqu'un qui a l'habitude de jeter un clin d'œil sur ton journal de venir et de rentrer en prière avec nous. Partage dans les groupes auxquels tu es abonné. Partage sur WhatsApp. Tu peux cliquer, tu copies les liens, tu envoies sur WhatsApp. Partagez les liens sur WhatsApp. Et même dans les groupes WhatsApp auxquels vous êtes abonné. Partagez les liens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous arrose, vous qui le faites. Je veux aussi partager dans tant de prières agressives là-bas. Pour permettre à quelqu'un d'être branché, scotché. Permettre à quelqu'un d'être branché, scotché. Permettre à quelqu'un d'être branché, scotché. Que Dieu vous bénisse, vous qui le faites. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Partageons ensemble, partageons, partageons, partageons. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, une nuit, pendant que, on l'appelle comment? Excusez-moi. Pendant que le roi Pharaon était sur son lit, en train de dormir. Pendant qu'il était sur son lit en train de dormir, il va recevoir une menace en plein moment de sommeil. D'où lui provient la menace? C'est l'Éternel Dieu qui s'élève et qui s'implique, qui récupère le dossier. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque toi tu es limité, tu te sens faible, incapable de te défendre toi-même, pardonne-moi, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas d'armes, tu n'as pas de poison pour gâcher les vies des autres, tu n'as pas de moyens sur le plan social parce que c'est ton père, tu ne peux pas l'affronter. C'est ta belle-mère, c'est ton beau-père, c'est ton beau-fils, c'est quelqu'un que tu ne peux pas, à qui tu dois du respect, tu ne peux pas les confronter physiquement. C'est un brigand, un assassin plus fort, plus armé. C'est un chef, un homme élevé. Tu vois, il a beaucoup de moyens que toi. Quand toi tu es limité, tu n'as pas de force, alors engage Dieu. Tu as un père très puissant, capable d'aller juste dans le palais royal et faire des menaces afin de te rendre ce qui est à toi. Un Dieu qu'on appelle Jéhovah Tchitkenu, le Dieu de la justice. C'est pourquoi toi qui étais triste et abattu, tu te regardes comme un minable, un petit, un faible. Comprends que tu as un papa très puissant qui est capable de défendre ta cause, défend les hommes les plus forts du monde. Si Pharaon a été menacé, ce n'est pas les petits voyous du quartier, ce n'est pas le petit sorcier que Dieu ne pourra pas menacer pour toi. C'est là où la Bible dit, gardez silence et l'Éternel Dieu combattra pour vous. Nous voulons maintenant dire à ces dieux-là, Yahweh, nous avons gardé silence et nous te prions maintenant de combattre pour nous. Bien-aimés, Jésus-Christ était à la croix de Golgotha. On l'a suspendu à la croix. On l'a flagellé, on l'a chicoté. Il versait son sang, il versait de l'eau. Il a gardé silence en pleurant, il ne faisait que pleurer. Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
pardonne-leur. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Mais la Bible dit pendant la nuit, la foule est allée dormir. Mais la femme de Ponce Pilate, le monsieur qui avait le dossier de Jésus en main, parce qu'il s'est tapé même la poitrine. Si moi je veux te relâcher, je peux te relâcher. Tu me fais la gueule, toi là. Bien-aimé, Naboutou. Nzamba bunde la raba oyaye. Il y a un Dieu quelque part au ciel. Papa, Nzamba zalaka. Yaya ozoka. Nzamba lola. Azana bon moi. Pendant la nuit, Dieu n'est pas parti chez les petits peuples qui criaient libérer Barabbas. Il est allé menacer la personne qui avait les dossiers. Tu dis, papa, il n'a pas menacé Ponce Pilate lui-même. Il est passé par le cœur. Oui, bah, t'es pas non gagné, mon bal, il faut le garder à moins. Si tu vois un homme qui te déteste, il faut savoir que sa femme te déteste. Attaché aux gentillesses, yaya, yaya. Ce mon bal, il n'a pas gratté. Et bah, que moi, c'est pas le gratté. Beaucoup de femmes ont gagné leur mari à l'église. Bien aimé, la femme a un pouvoir de séduction. Ce n'est pas pour qu'on dit fouiller l'impudicité. C'est, papa, 500 mètres. Qui m'a gagné? On pousse un pembe. On se retrouve au bambanite. La Bible dit ceci dans la Bible. J'ouvre la parenthèse. Salomon, l'homme le plus sage du monde. Oh, c'est un anzan, papa. Sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Mais en dépit de cette sagesse, il est la personne la plus sage du monde. Lisez dans la Bible. On dit quoi? À un moment donné de sa vie, il avait abandonné le vrai Dieu. Quand sagesse. Pourquoi il avait abandonné le vrai Dieu? Parce qu'il est allé, il a suivi les conseils de ses concubines. Ba concubine ba beta pena donc ba sangana pena réunion. To fanda le siège. To fanda. To sala Italie. Ba fanda pena. Ciseau. Soka boy ko sambe la banzamba bike ko na biso to sambe la ka. Biso na ye abu pia. Ça dit quoi? Si Pharaon refuse, plutôt Salomon, refuse de se prosterner devant nos statuettes de Baal. Plus question de lui céder les corps. Plus des rapports sexuels. Six autres, Bakangi, six autres. La Bible dit, elles ont contraint Salomon, l'homme le plus sage, d'abandonner le Dieu qui lui a donné la sagesse et les richesses. Salomon, Pengwa, a bossana nzambe, a landa ba nzambe à cause d'influence à basse, ba makangunaye. Je te dis la vérité. Salomon a abandonné Dieu. À cause de ses concubines qui lui a imposé de se prosterner devant les statuettes de Baal. Lisez dans la Bible. Et elle s'est, il s'est prosterné. Il a oublié Dieu. Pourquoi? Parce que la femme l'avait séduit. Les femmes que tu vois. Adam, dans le jardin d'Éden, il a mangé les fruits. Parce que sa femme a parlé. Ayeb neke, nzamba peksa makambo. Make olia. Parce que moi, ça t'indique. C'est pourquoi j'ai toujours dit à ceci à mes sœurs, toutes les sœurs qui viennent prier dans mon église. Je leur ai dit, vous là, si vous êtes incapable d'amener vos maris ici à l'église, c'est que vous n'avez pas encore commencé à utiliser votre pouvoir de femme. Une vraie femme, elle doit être capable de convaincre son mari. Je vous dis la vérité. C'est que tu n'as pas encore exercé ton pouvoir de femme. Pouvoir séducteur. Quand on dit une femme faible, mais Dieu dit c'est toi qui es l'aide semblable. Entre la personne qui aide et la personne qu'on aide, qui est fort, donnez la réponse. C'est le fort qui aide les faibles. Donc le vrai faible, ce n'est pas la femme. Le chaos est rentré dans le monde aujourd'hui, c'est à cause de la femme. Pour donner la vie encore, Dieu est passé par la femme. C'est elle qui va naître, donner naissance à Jésus-Christ, le second Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
on a fermé la parenthèse. Et c'est qu'on a reçu ma maman mon corps. Ce qui est la rawana, tu es chrétien depuis combien d'années? Chrétienne, tu as la rabat ta Bible, tu as la qui t'emballe les blés dans mon tout. Depuis 25 ans, papa. Mais entre temps, ton mari encore. Ton mari est chrétien. Yo, tu as tendance à suivre ton mari. Ah, comme un païen. Yo, tu as tendance comme un païen. Le col en bal na yo. Non, c'est lui qui pour moi, c'est naoté. Nga yo, moi si. Allez, mon bal n'a pas yamé la raba chimbo, ma sang, rolang, mon solo, bisans à chaque jour, sans elle en bête. Ah, et si matin. Ah, et si matin, yaya. Nga moi si. Bika kakapo, ba jobo, bika pour en azam bal. Sans elle, moi si. N'a pas solo, ba chimbo, 10 ans, 12 ans, nga na Bible, yona solo, chimbo. Au sans arrêt, on va m'assembler. Bois. Rien. Côté le ma prière, côté le ma prière. Puis, côté le ce que ça séduction. Les concubines ont gagné le cœur d'un homme le plus sage du monde. A bossa l'ensemble, tu as la Bible à côté. A qui fou comme l'ensemble est biqué. Tu as développé un jour, monsieur. Nous revenons à nos moutons. Nous sommes en train de prier. La Bible dit, quand Dieu a récupéré les dossiers, il est allé menacer Pharaon. Ah, nous sommes en train de prier un Dieu capable de menacer les hommes qui nous ont ravis, ce qui nous revient de droit. On a ravi la femme d'un oint de Dieu à la personne d'Abraham. Nous avons besoin de dossier. Lélo, nous avons besoin de dossier dans Boto la bana. Ah, nzambe fwa zwa dosye nan an leloka kak. Leloka kak ba nan an fwa zon. Ba yi pa nga mobali. Mobali nan an nzambe zwa pe dosye nan an maboko lelo ya we. Ya nga mobali fwa zon. Ba yi ba yo mwasi ya yo mwasi fwa zon. Ba yi ba yo etoile ya vi. Etoile du fwa zon nan an maboko. Tu va dire à Dieu, la Bible déclare que tu n'as point changé. Et tu ne fais point exception de personne. Lève-toi aussi dans mon dossier. Je vous dis qu'il y a des attitudes affichées et des prières à faire. Posez la question à Josué. Quand on a frappé Israël par un petit peuple d'Haï, je sois bien à la rabouité. Jamais un peuple de Dieu peut être ridiculisé comme ça. Afukamakota mabondeni, alatasak. Voilà pourquoi je vous invite à 10 jours de prières qui commencent le lundi. Lundi 20 septembre jusqu'au 30 septembre, 10 jours à prière de Ronanga sur les troubles et les conflits dans la famille. Partagez ces liens, invitez les amis et les frères. La prière aura lieu sur notre chaîne YouTube. Et vous allez boubou. Bande, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique. Faites un sacrifice cette fois. Si vous allez vous réveiller à 5 heures. Hein? 5 heures. Tobandiam. Tokonika prière. Moto. Bah, trouble là, bah, conflit familial. On va prier sérieusement. Ça sera sur la chaîne YouTube. 21h30. On commence. Ce qui fera à peu près 4h30 ou 5 heures en Europe et en Afrique. Donc si vous dormez, vous réveillez à 5 heures, vous allez nous trouver en train de chauffer déjà. Fire. Quand on finit, après on relance sur Facebook notre temps de prière agressive. Temps de prière agressive qui ne prendra qu'une heure du temps. On clôture. On va chauffer du 20 septembre jusqu'au 30, 10 jours de prière sur les conflits familiaux. On n'est pas encore là. Voilà pourquoi je vous prie, vous qui n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube, vous nous suivez souvent sur Facebook ici. Après cette émission, allez sur YouTube, dans recherche, écrivez Patrick Kalala. Patrick Kalala. Quand vous recherchez Patrick Kalala,
vous avez fini, vous allez voir parmi plusieurs Patrick Allah qui vont apparaître, notre photo de profil, le pasteur est habillé en veste noire, chemise jaune. Je suis assis sur une chaise en bois. C'est ça notre profil sur YouTube. Et puis vous cliquez sur s'abonner. Il y a une cloche, une sorte de sonnerie à côté. Vous cliquez aussi sur la sonnerie là. Cliquez sur là, on écrit toutes les notifications. C'est fini. Vous êtes abonné et vous avez la capacité de participer à ces services gratuitement. 10 jours puis des puissantes prières. Ne manquez pas ce rendez-vous. Fermons la parenthèse. La Bible dit, Abraham, pendant qu'il pleurait, il s'inquiétait de ce rôle de Nabal seul, Dieu a récupéré son dossier. Et je vous ai parlé également de Josué. Quand il a vu que Israël était frappé par un petit peuple d'Haï, il a porté les sacs, il est rentré en prière pour demander la justice de Dieu. Bien-aimé, quand il y a une situation qui te fait pleurer, tu te sens faible, tu te sens humilié, réduit, ne restez pas comme ça. Comprends que la chose ne vient pas de Dieu. Il faut que tu te rapproches dans la prière de Dieu, pour qu'avec Dieu, tu te rapproches de Dieu dans la prière, pour que le ciel soit mobilisé et que Dieu récupère ton dossier et qu'il te venge. Josué l'a fait. Et quand Dieu s'est levé pour venger, allez-y dans la Bible, lisez ce qui arriva à Akab. C'est lui qui était derrière le trouble. C'est lui qui est en train de troubler Israël, qui l'affaiblissait, qui le rendait ridicule. La personne là n'est pas restée la même. La Bible dit Dieu l'avait terrassé. Il a ordonné qu'on puisse le lapider. Et lui, et sa femme, et ses enfants. Bakoufa, ils sont morts. Dans la vie d'Abraham, lorsque sa femme était récupérée, la Bible dit Dieu a menacé à travers son ange. Il a menacé le roi Pharaon. Il lui pose la question, tu veux mourir? Veux-tu que je te tue maintenant? Le roi dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Il dit, à cause de la femme d'autrui, de mon serviteur que tu as prise. Pourquoi ceux qui prennent tes affaires, ceux qui exploitent ton étoile depuis des mois, cet occultiste et ces sorciers qui se jouent de ta vie depuis des années, Dieu ne peut-il pas les troubler ou la troubler aussi vraiment? Aujourd'hui, on va invoquer ces dieux-là. Tu vas dire à Dieu, si tu connais la personne, cite-la par son nom. Papa, nzambe na ngai. Muto yotali saranga bele bele na ba vision na ba ndoto na ba prophétie na ba parole de connaissance na ba message na zo na ba to musika na ba to pembeni. Tu me parles de cet homme, tu me parles de cette femme. Papa, pourquoi le laisses-tu en paix pendant longtemps? Yahweh telemako. Telemo s'occuper na ba. Est-ce que tu peux prier maintenant sous cette belle mélodie? J'aimerais que tu parles à Dieu. Nzamba tele malade là-bas. Nzamba tele malade là-bas. Oh ya. Nzamba lande là-bas. Baza la poursuivi. Pourquoi Dieu peut-il les laisser calmes? S'ils ne sont pas troublés par rapport à leur santé, qu'ils soient troublés même dans leur sommeil. La Bible dit, Dieu va menacer Abraham, et plutôt le roi Pharaon. Il pose, tu veux que je te tue? C'est-à-dire que c'est à prendre ou à jeter. Soit tu abandonnes la femme de toi, tu la rends, soit tu la gardes et je te tue. Comme ça, elle va rester veuve et repartir chez son mari. Loba na nzambe papa yanga pe dossier simba na maboko. Occupe-toi également du pharaon de ma situation. Comment s'appelle-t-elle? Qui est derrière cette souffrance que tu es en train d'endurer aux zangi kimia boy des jours et des mois? Bacha okaka mal à l'aise, parce que trouble vina yo, na santé, na misolo, na musala, na banzela nyonso, tu es mal à l'aise alors que tu n'as pas volé, tu n'as rien fait de mal, tu vas dire non Seigneur, tu es le juste juge, lève-toi également pour trancher ma situation.
Occupe-toi, que ce soit un homme, une femme, un blanc, un noir, occultiste, magicien, sorcier, devin, rival, toute personne qui est derrière ma souffrance, pour rien, je te prie de t'élever comme le juste juge. Élève ta voix, commence à invoquer ces dieux-là. Tosambelina Kombora et Soaleloya. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Toi qui s'est levé comme le juste juge dans la situation d'Abraham, tu as menacé la femme, le pharaon qui avait récupéré la femme de ton serviteur. Père, regarde maintenant les étoiles de tes enfants entre les mains des méchants. Depuis des jours, des mois, tu ne dis mot. Mais la Bible ne te reconnaît pas comme ça. La Bible nous dit que tu ne fais point exception de personne. Voilà pourquoi ce matin, cette nuit, nous te demandons de t'élever aussi et de localiser toute personne qui se prend pour pharaon, qui a le droit de tuer les gens, le droit de détruire les destinées, le droit de détruire les foyers des gens, le droit de détruire les activités, le droit de combattre et de ne pas être poursuivi. Je te prie de t'élever maintenant comme le juste juge et de t'occuper de tout pharaon de famille. Pharaon dans des belles familles, pharaon dans nos entourages, pharaon dans nos lieux de travail, pharaon dans les villes où nous habitons. Occupe-toi des pharaons dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ma sœur, élève ta voix et prie. Demande à Dieu de s'occuper de tout pharaon. Que tout pharaon soit jugement, sévèrement jugé par Dieu. Que le Dieu de la Bible s'élève et qu'il s'occupe des pharaons dans ta vie. Que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la ville où tu vis. Père éternel, lève-toi et occupe-toi de tous les pharaons, qu'ils soient troublés, qu'ils manquent de paix. Au nom puissant de Jésus, trouble-les dans la santé, trouble-les dans les finances, trouble-les dans le sommeil, trouble-les dans ses activités, trouble-les dans leur voie, dans leur vie quotidienne. Au nom puissant de Jésus, que tous les pharaons ne soient plus à l'aise à partir de ce moment. Yahweh, lève-toi, le Dieu de la justice, comme Jéhovah dit que nous, occupe-toi d'eux. Dans leur voix, qu'ils soient troublés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, trouble les pharaons de ma vie. Shandara baba 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 baba. Rokandara koroboro sakaria. Rokende yoboro sokora baba baba. Rakakandara kora baba seke. Rekende yoboro shikaria baba. Tous les pharaons doivent être troublés. Que tout pharaon soit troublé. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, lève-toi dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, pour troubler les pharaons de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Samson, dans sa faiblesse, il a élevé également sa voix pour prier. Il a demandé la vengeance. Le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, n'est pas seulement un Dieu amour. Il est également un Dieu qui venge ses fils. Un Dieu qui venge ses filles. Qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. Il dit, celui qui creusera une fosse contre toi, il tombera lui-même. Banda koloba na nzambe. Moto ya kotimbola libulu pour na kufa nzambe. Ye moko a précipité la katna liwa akende. Atana sa pongi na zarola la na récupéré. Que toute personne qui médite le mal contre toi, tu vas dire à Dieu, papa, kaka libula zoti mola na makanis na yewana, erat papa e moko kenda kufa. Le creux, le puits qu'il est en train de creuser contre moi là, Seigneur, que le puits le récupère lui-même et qu'il passe, qu'il tombe dedans. La Bible dit dans Matthieu, Genèse 8, 22. Aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la semence et de la moisson ne passera pas. Il médite la mort des autres, qu'il lui-même meurt. C'est ce qu'il a semé, qu'il le moissonne. Tu vas taper tes mains, tu dis que toute personne qui médite la destruction de ma vie, le déclin de mon entreprise, la destruction de mon foyer, la ruine de ma vie, de mes enfants, de ma femme, de mon mari, Père, que cette personne tombe dans son filet. C'est ta parole. Celui qui creusera une fosse contre toi, il tombera lui-même. Est-ce que tu peux faire cette prière? Samson fait la prière de vengeance. Il dit, ils m'ont crevé des yeux, papa, ils doivent le payer.
bato ba salinga boye papa kotika bango bongote. C'est qui? C'est le Fils de Dieu à qui on a crevé les yeux. Il fait une prière qui est exaucée par Dieu. Dans sa faiblesse. Je n'ai pas voulu lui demander pardon. Oh, confession, miséricorde. Abikara, Père, souviens-toi de moi. Pour une fois, que ceux qui m'ont crevé les yeux, qui puissent payer les prix. Donne-moi la force de secouer les poteaux. Ce n'est pas Dieu qui secoue les poteaux, c'est toi qui dois secouer les poteaux. Banda ko beta maboko zo secouer ma poteaux. Ozo sako zo loba nanzambe. Bato ba salinga boye. Bazanga kimia. Bazanga kimia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lis dans les livres des juges. Nzambo etoza ko sambela. Azanzamba zangisa bato kimia. Ponce Pilate, moi sina mwana makamuna ya. Je vous dis que la femme de Ponce Pilate a subi. Elle n'a pas dormi toute une nuit. Delila et ses compagnons, ils ont fini la course dans la mort. Une mort soudaine et brusque. Pendant qu'ils attendaient pour se réjouir du malheur du fils et du serviteur de Dieu Samson, c'est alors qu'une mort soudaine les a surprises. Ça, Dieu est capable de le faire aussi pour toi aujourd'hui. Il ne fait exception de personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries. Que tu dises à Dieu, Père, je vais te voir aussi agir dans ma vie. Je vais te voir opérer dans cette dimension de juge, de juste juge. C'est ainsi qu'il va te rendre ce qui te revient. Le monde des ténèbres, bah, yokara langage à douceur. Le méchant, quand il est destiné de te détruire, il va chercher à te détruire. Il faut que Dieu lui barre la route en lui imposant. Soit il lui dit de relâcher, comme il a imposé à Abraham, plutôt à Pharaon. Ce qui m'a menacé qui Pharaon t'a l'ingati à moi cité. Tu vas dire à Dieu, lève-toi et menace le Pharaon de ma vie. Que celui qui ne veut pas relâcher mon succès, ma gloire, ma bénédiction, ma santé, mes affaires, mon mariage, mes enfants, mon mari, ma femme. Père éternel, occupe-toi de celui qui ne veut pas relâcher mon dossier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix, demande les jugements et la justice de Dieu. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Éternel et Dieu des armées, je te prie de t'élever. Tu as dit dans ta parole, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Menace et poursuis tous les géants qui ne veulent pas relâcher la bénédiction de tes enfants. Tous ceux qui ne veulent pas relâcher ma bénédiction, ma gloire, ma vie, mes entrailles, mes enfants, ma femme, mon mari, tous ceux qui me sont chers, mes dossiers, mes efforts, mes projets, mes activités. Père, que toute personne qui s'élève comme un géant, ne voulant pas me laisser émerger, avancer, qu'elle te croise sur son chemin, que tout celui qui a creusé, qui était en train de creuser des fosses partout et mettant dans du piège, qu'il tombe ou qu'elle tombe dans leur propre filet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne les laissez pas tranquilles, qu'elles soient troublées maintenant, le trouble dans les camps de nos ennemis. Au nom puissant de Jésus, le trouble dans les camps de nos ennemis, qu'ils soient troublés dans leur voix, qu'ils tombent et qu'ils soient surpris, comme à l'époque de Samson. Père, que les poteaux soient secoués, nous secouons les poteaux et que ça retombe sur eux. Au nom puissant de Jésus, pendant qu'ils attendaient pour se moquer, boire le champagne, pendant que l'enfant de Dieu est en train de souffrir, il voulait faire de lui un jouet et le rendre ridicule. Papa, c'était la mort soudaine qui était dans leur camp, le camp de l'ennemi, en deuil.
Que le trouble et les deuils qu'ils attendent dans mon camp soient maintenant dans leur propre camp. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'humiliation et la ruine, le désastre soient total, la paralysie totale dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est pleurs et grincements des dents dans les camps de nos ennemis. Que tous ceux qui se sont ligués pour se moquer, pour humilier Samson, soient tous morts. Delilah et les traîtres, la traître Delilah, qu'elle soit également dans le filet, qu'elle tombe dans son propre filet, qu'elle soit elle-même morte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu Tout-Puissant s'élève maintenant. Le Dieu Tout-Puissant s'élève maintenant et il agit. Que le Dieu Tout-Puissant s'élève et qu'il opère. Je vois le Dieu de la justice s'élever comme Jéhovah Tchit qui nous la vie de quelqu'un. C'est sur toi que tu dises trois fois Amen, Amen, Amen. Merci Père d'agir dans la vie de tes fils. Alléluia. Merci d'agir dans la vie de ta fille. Alléluia. Merci de délivrer et de restaurer. Merci de rebâtir ce qui avait été détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci de restaurer. Merci de défendre. Merci de confondre les ennemis. Merci de troubler ceux qui veulent être. Tu dois être troublé. Merci de paralyser les camps adverses. Merci de restaurer les vies humaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, come on. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame l'agneau de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce matin. Que Dieu te bénisse, toi qui as bien prié. La Bible déclare, pour clôturer, Dieu va dire ceci à Pharaon: rends la femme de Troie et prends des présents au Foutamande. Ah, le Dieu qui veut te rendre ce qui t'a été ravi. Aozong siloka Sarah Pambatin. Baozong selon intérêt. Dommage et intérêt. Bon wachibao. Zwa ki mwa sabatu pamba. Ozong se pambatin. Amande de surcroît. Chibao et pabalouba. La Bible dit: Pharaon va se lever le bon matin. Il va chez Abraham pour lui dire: Yaya, pourquoi veux-tu me tuer? Lungo bomanga kaka pamba ponani. Prends ta femme, je te la rends. Azoni samancien. Je te rends ta femme, Elena. Et Dieu lui dit: ne rends pas seulement la femme, donne-lui encore de l'argent, donne-lui encore des présents. Le Dieu qui nous restitue ce qui nous a été ravi. L'honneur et la gloire qu'on a ravi à Jésus en les traitant d'escrocs, Dieu va menacer la femme de Ponce Pilate. Elle va dire à son mari: Sokola maboko na dosyo. Le même Ponce Pilate qui avait un discours différent à la veille, quand on lui parle de ses rêves, il va se frotter les mains et dire: moi je n'ai vu aucun mal en cet homme. À Sokoli Mabok, ça dit quoi? Le numéro 1 va rendre témoignage de la justice de l'enfant de Dieu. La gloire lui est revenue d'une manière ou d'une autre. On lui a restitué son rang de juste. Quand Dieu s'impose, il menace l'ennemi en te rend ce qu'on t'avait ravi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils avaient compris ces jours-là que Samson n'était pas n'importe qui. Même avec les yeux crevés, s'il pouvait seulement rentrer auprès de son père et demander le jugement de Dieu, ah, les poteaux peuvent s'écrouler et tuer tous les Philistins. La Bible dit: ceux qui sont morts en ces jours-là étaient plus nombreux
que ceux qu'il avait tués quand il avait les deux yeux. Je prophétise sur quelqu'un et je déclare, tu sembles croire que sa prière, cette prière est faible. Mais c'est la prière de Samson qui secoue les poteaux. Je te dis que les dégâts et les résultats de ces services de prière, ça sera fois 10, fois 1000, fois 100, plus que ce que tu as fait auparavant. Et comme il attend ce que tu entends, il y a un résultat. Il y a une frappe en colo. Par résultat de Zozola qui m'en amène. Que Dieu te bénisse. Et je déclare maintenant, le Dieu qui rendit à Abraham sa femme, en imposant Pharaon de rendre la femme d'autrui, que Dieu s'élève et qu'il pèse de son poids, qu'on puisse te restituer ce qu'on t'avait volé. Si c'est la santé, que la santé te soit restituée. Si c'est le travail, que le Dieu Tout-Puissant touche les cœurs, que ton travail te soit donné. Si c'est le ministère qui a été étouffé, que Dieu Tout-Puissant brise les barrières et que le ministère soit épanoui. Ce sont des enfants que Dieu te nous rend de nos enfants volés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est le travail, que Dieu te rende un travail volé. Qu'il te rende l'étoile de ta vie, l'intelligence de tes enfants. Le travail de ton mari, de ta femme, la bonne santé, les entrailles, que Dieu te restitue. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix. Commence à dire, Père, je reçois. Je rentre dans cette phase de la restauration, de la réparation, de la restitution. Merci de me donner tout ce qu'on m'avait ravi. Élève ta voix, commence à prier. Merci de me donner tout ce qu'on m'avait ravi, tout ce qui avait été volé, tout ce qui avait été détourné, tout ce qui avait été confisqué. Souvenez-vous de Salomon qui s'éleva comme le juste juge pour dire à la femme à qui on avait volé l'enfant, qu'on avait ravi l'enfant, récupère ton enfant. Parce que j'ai compris que la première c'est une voleuse, c'est un meurtrier. Elle s'élève pour tuer une meurtrière. Elle veut tuer cet enfant pour rien. C'est la voleuse de bébé. Allez, récupère ton enfant. Ce n'est pas l'enfant n'appartient pas à cette voleuse. Le temps a sonné où la restauration, la restitution, le rétablissement de toutes choses. Et que Dieu te rende ce que tu as perdu, ce qu'on t'a ravi. Que Dieu te le rende ce matin. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix, commence à dire, je récupère, Seigneur. Je récupère ce qu'on m'a volé. Je récupère ce qu'on m'a ravi. Je récupère ce que j'ai perdu. Au nom puissant de Jésus. Eh, yababababababa. Rokanda, yababaseke. Rokondoro, kurabababa. Dieu Tout-Puissant, merci de t'élever. Merci de t'élever. Merci d'agir. Merci d'opérer. Yababababasakandara, kora. Merci d'agir, Seigneur. Merci, Seigneur, d'opérer. Merci de restaurer. Merci de rebâtir ce qui a été détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la récupération. Merci pour la force. Merci pour la longévité. Merci pour la santé. Merci pour la puissance. Merci pour la réparation. Merci pour les entrailles. Merci pour le fiançailles. Merci pour les enfants. Merci pour le mariage. Merci pour les voyages. Merci pour le travail. Merci pour le succès, la réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis trois fois, Amen, Amen, Amen. Et que Dieu restaure ta vie, qu'il restaure ton travail, qu'il restaure ta santé. Acclame le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est ça notre service. La foi est une folie pour les païens, mais une puissance pour ceux qui héritent les saluts. Et je sais que le Dieu Tout-Puissant que je sais, le Dieu très haut t'a restauré. Il a restauré ton travail. Il a restauré ta santé. Que ce Dieu te visite davantage. Allez, vous voulez contacter le pasteur Kalala? Il répond au plus 1-331-262-49-03. Et je pense que je vais appeler tous ceux qui avaient donné des sujets de prière dans l'émission Intercession. Je vais prier pour vous plutôt en dehors de l'émission en particulier. Et ceux qui ont donné des sujets de prière pour l'intercession de ce jour, on n'a pas eu à le faire. On le fera le lundi prochain quand on va démarrer
avec l'intercession. Allez, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous voulez contacter le pasteur Kalala, il répond au +1 331 262 49 03. Le pasteur répond au +1 331 262 49 03. Ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez rentrer en contact direct avec nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Vous voulez bénir le ministère? C'est par ce numéro-là, vous appelez le pasteur et puis vous entrez en contact direct et tous les transferts seront versés dans les comptes de Patrick à la ministrie pour beaucoup plus de transparence. Allez, vous voulez faire les transferts en ligne? C'est par, vous faites sur PayPal, @patrickkalalaministrie, et puis vous faites votre transfert sur PayPal. C'est ça, notre transfert en ligne. Allez, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre mission, notre service. On a bien commencé avec le Saint-Esprit, on a cheminé avec lui, on clôture cette émission avec le même conseiller, notre même force, qui est notre Dieu et ami, le Saint-Esprit. Allez, que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Et c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui, samedi. On va faire une émission spéciale. Beaucoup de samedis, on n'intervient pas, mais aujourd'hui, on va récupérer les deux jours passés. Donc, on sera en prière cette nuit à partir de 23h30, heure des USA. C'est faire à 6h30, heure d'Europe et d'Afrique, pour préparer déjà notre programme du 20 qui commence. On va donner les modalités demain et samedi et dimanche. Pour vous donner les modalités, comment ça va se passer. Il faut gêner, il ne faut pas gêner, comment ça va se dérouler. Je pense qu'on est là. On va commencer les 10 jours. On va filer. Ça sera les 10 jours d'affilée. N'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur. Allez, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain numéro pour la gloire du Seigneur. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse abondamment.